Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Un point, cette campagne des Européennes démarre sans Jean-Louis Borloo, en retrait de la scène politique depuis plusieurs semaines. Comment vivez-vous l'absence de l'un de vos deux leaders? Et c'est vrai qu'il devait s'engager fortement dans cette campagne. Est-ce que vous avez des nouvelles d'abord de lui? Je pense, j'espère qu'il va mieux. J'espère que nous avons, avec Yves Jégo, pensé que, au fond, la campagne démarrerait à Bordeaux avec François Bayrou, et puis que nous ferions la dernière réunion publique dans le Nord, à Valenciennes, avec Jean-Louis Borloo. Et donc, je forme vraiment tous mes espoirs pour que ceci puisse se dérouler comme ça, que Jean-Louis revienne en forme pour participer à cette campagne. Vous avez des nouvelles, Jean-Louis ? J'ai des nouvelles. Je crois qu'il n'est pas encore tout à fait remis, mais je forme vraiment, voeu de prompt rétablissement. Caroline.